Colin Dagba dans la liste de Guerre 3? Point d'interrogation. Il y a quelques heures, circule une grosse rumeur comme quoi Guerre 3 aurait déniché bien sûr Colin Dagba parce que Guerre 3 a parlé de deux binationaux. Il était allé suivre bien sûr une rencontre de l'autre côté de Ouidah et interview à plus de binationaux. Les gens soupçonnaient tellement Colin Dagba. On a partagé des publications sur notre page Facebook, mais sur YouTube aussi. Ici, on n'avait pas encore fait de sujet concernant Colin Dagba. Est-ce qu'il sera guépa? Et quelques minutes, il y a quelques minutes seulement, tout à l'heure, quelques heures, 1 heure ou bien 2 heures passées, on aperçoit encore des publications sur Facebook comme quoi Colin Dagba ne sera pas, bien sûr, guépa. Colin Dagba ne fera pas partie de la prochaine liste des guépas. Il n'est pas une priorité pour le moment pour le staff. Est-ce une vérité? Le dilemme actuel au Bénin, c'est Colin Dagba, est-ce qu'il sera béninois? Bon, il est déjà béninois. Est-ce qu'il sera guépa? Est-ce qu'il ne sera pas guépa? D'autant que, bon, le joueur, quand j'ai fait ma publication sur Facebook, beaucoup, beaucoup ont critiqué comme quoi le joueur n'est pas titulaire à la JOC, le joueur est tout le temps au banc et tout, vous voyez. Beaucoup de choses comme quoi il n'est pas titulaire en Ligue 2. Le joueur a été formé, bien sûr, au Paris Saint-Germain. Après, il est allé. De l'autre côté de Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Et il se retrouve à présent de l'autre côté de la JOC et il n'est pas titulaire. Les gens ont dit, bon, on ne veut pas de ce footballeur, on ne veut pas de lui, il n'est pas titulaire dans son club, nanani, nanana. On apprend maintenant, est-ce qu'il sera guépa, est-ce qu'il ne sera pas guépa? Rendez-vous le vendredi 8, bien sûr, à 11h. Dans la salle de conférence du stade général, Mathieu Kérékou, Guerre 3 va nous dévoiler la liste des joueurs, bien sûr. Est-ce que Colin Dagba sera dedans? En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer. Je ne souhaite terminer cette vidéo sans partager cette grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie, bien sûr, de créer du contenu sur YouTube et à gagner de l'argent, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. L'autre chose, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre notre formation YouTube qui va vous permettre, bien sûr, de créer du contenu sur YouTube. C'était moi, Lurès, premier, le 3 en 1, surdoué des finances du foot business et de l'industrie musicale. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Ils n'ont qu'à respecter.